bien, salut à toutes et à tous, Slam Company, il est 16h, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Écoutez, je vais essayer de traverser sans me faire écraser. Hop 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 hop. J'espère que vous allez toutes et tous très bien les amis. Très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo très spéciale sur Euro Truck Simulator 2. Vous l'aurez compris, on commence enfin les festivités, l'ambiance de Noël avec un nouveau camion pour l'occasion. Laissez-moi tout vous expliquer, j'espère que vous avez apprécié cette petite introduction. Écoutez, je me suis pris un petit déjeuner ici aux Petits Oignons, c'était bien sympa. Et où c'est que nous sommes pour bien commencer cette vidéo? Nous sommes à Tirana. Tirana, vous savez, c'est un peu une ville coup de cœur que j'ai. Je sais plus c'est dans quel pays. Tirana, la honte à moi. Tirana, c'est dans quel pays? C'est en bas, c'est en Albanie. Ouais, vous vous souvenez? Tirana, j'ai beaucoup apprécié cet endroit et donc j'ai voulu commencer aujourd'hui ici avec ce nouveau camion. Nouveau camion que j'ai fraîchement acheté et que je vais vous expliquer, que j'ai décoré aux couleurs de Noël pour l'événement. Je vais vous montrer son intérieur. Donc c'est un petit MAN TGX 18460. Donc c'est pas le nouveau MAN, mais c'est fait exprès. Enfin, de toute façon, déjà de 1, j'ai pas le choix parce que le nouveau MAN, il faut être niveau je sais plus combien. Sauf qu'actuellement je suis niveau 13 et vous savez c'est un profil où je ne veux pas cheater. J'ai cheaté à aucun moment, donc je veux rester rester fair play et ne pas cheater pour avoir le nouveau MAN, etc. J'ai acheté ce nouveau camion puisque ça va être mon futur camion pour la flotte de la TLF. Donc il va y avoir le pack skin de la TLF sur ce camion. Vous étiez nombreux à me demander à ce que justement je change de camion, puisque jusqu'à présent j'avais ce camion là, le DAF 2021 aux couleurs donc de la TLF. Et donc là maintenant je passe sur le MAN TGX Euro 6, donc de 460 chevaux, qui a donc 0 km au compteur en réalité. Voilà, et du coup on va se régaler, on va apprendre à le découvrir. Moi je ne connais pas, j'ai vraiment pas roulé pour le coup, là c'était pour le RP, vous me connaissez, mais j'ai pas à rouler avec, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. J'ai dû refaire un prêt à la banque. Alors là j'ai 10 000 euros sur mon compte en banque, ça craint un peu mais ça fonctionne très bien. Pour vous montrer, hop, banque. Donc j'ai des nouveaux prêts à la banque, donc j'ai celui de 400 000 où on est au 15e jour, et donc là j'ai fait un nouveau 200 000, mais ce sera pas un problème non plus à rembourser automatiquement puisque nous avons donc gestion chauffeur, des bons chauffeurs qui sont là, donc Ilona et Janka, et va falloir que j'embauche, et je voulais faire ça d'ailleurs maintenant, on va le faire maintenant, Pôle emploi, on va embaucher un nouveau chauffeur, non, attendez, non, avant de faire quoi que ce soit, Ilona, c'était ma première... livreuse qui est très forte. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais la muter, tac, et je vais lui proposer du coup mon magnifique DAF aux couleurs de la TLF. Voilà, si jamais les transports L7C Family, vous voyez le camion, et bah c'est elle qui roule. Lui je vais le laisser donc dans le Iveco, et là du coup je vais directement embaucher un nouveau chauffeur qui aura donc le camion disponible. Salut Arthur, comment tu vas Arthur? Écoutez, on va partir sur l'un des premiers ici, et je pense qu'on va partir soit sur Étienne, soit sur Arthur. Alors lui il a l'ADR, mais rien de plus quoi. Je préfère largement miser, attends lui il a que deux. Eh, je préfère quelqu'un qui connaît bien les routes sinueuses et les marchandises fragiles. Non, marchandises de grande valeur. Allez, on va partir sur Étienne. Je vais embaucher Étienne. Hop, et il aura donc ce MAN jaune, hop. Et donc nous avons un nouveau chauffeur dans notre flotte, dans notre entreprise, voilà. Donc aujourd'hui avec ce MAN décoré aux couleurs de Noël et donc qui aura bientôt le skin de la TLF. Dès que les festivités de Noël seront finies, bien sûr j'enlèverai toutes ces aberrations, bien évidemment. C'est tout sauf concevable ce qui est là, et d'ailleurs je vais éteindre directement les gyrophares. Voilà, si je puis dire. Regardez cette belle rampe en haut, c'est magnifique. Vraiment je kiffe. Le camion, en tout cas moi j'aime beaucoup trop, c'est pour ça que je voulais partir sur celui-là dans tous les cas. Voici son intérieur, avec le petit sapin de Noël, le bonhomme de neige, les petites décorations ici là, les cadeaux également qu'on va livrer bien évidemment. Et donc voilà un petit peu à quoi ressemble ce nouveau camion, voilà j'ai hâte. Donc je découvre en même temps, ok très bien, on a la pression d'air qui est physique, non comment on dit. En tout cas elle est pas digitale, elle est bien là. En tout cas voilà. Et on va mettre l'écran à la vitesse, ce sera bien plus simple pour moi. Et on commence avec déjà une petite livraison qui se passe dans Tirana. Il faut juste transverser d'une entreprise à une autre, je sais plus c'est quoi, des chariots élévateurs si je dis pas de bêtises. Donc moi j'en profite puisque je suis ici. Donc on va y aller directement les amis, et puis après on se prendra une autre mission que la centrale nous demandera bien évidemment. Alors toi la voiture derrière tu attends hein, quand même, hein. Faut pas exagérer des bonnes choses. Alors faut que j'aille à gauche. Donc là il est 6h du matin les amis.
Et il neige! Il neige, les amis. Et oui, ça c'est le truc aussi qu'il va falloir faire gaffe. La neige est arrivée. Donc je sais pas du tout comment ça va réagir. Voilà, je sais pas comment ça va réagir le jeu, si ça va glisser, si ça va être compliqué. Je vais essayer de faire de mon mieux, bien évidemment, les amis. En tout cas, voilà. Et je vais juste régler aussi mon siège juste après, parce que je me trouve un petit peu trop haut. Je vais le faire maintenant, les amis. Hop, je vais me baisser. Ouais, je me trouvais quand même un petit peu trop haut. Ah là là, on n'est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Donc voilà pour les premiers kilomètres avec ce camion et donc à Tirane. Donc ça fait trop plaisir. Voilà. Et pour vous parler un petit peu de ma formation CE, pour ceux qui se demanderaient, donc pour moi c'est terminé. J'ai fini mes heures de plateau et de circulation. Donc à l'heure actuelle où je vous parle, peut-être pas forcément au moment où la vidéo sortira, je ne sais pas encore, mais à l'heure actuelle où je vous parle, bah, j'attends tout simplement une date d'examen. Voilà. Et sachez que tout s'est super bien passé jusqu'ici, donc j'espère vraiment que tout va bien se passer par la suite. Et donc on a les petites décos de Noël également un petit peu dans toutes les villes, vous allez le voir, donc c'est plutôt chouette. Très difficile par contre de respecter les limitations de vitesse avec ce camion, j'ai l'impression. Il a quand même pas mal de patates, et il y a pas mal de circulation aussi. Alors le ralentisseur, bien sûr, on évite en tracteur solo, mais je veux juste, il y a combien de crans? Y a pas, j'entends pas l'écran. Ah, vous savez ce qui me perturbe, c'est le son. Parce que j'ai tellement été habitué au mode son que Turbo m'avait conseillé pour le DAF, que du coup là on est nouveau sur un son d'origine Euro Truck. Et c'est vrai que ça fait bizarre. Alors si jamais je veux bien avoir un mode son pour ce camion, ce serait vraiment stylé. Et je pense que ça changerait beaucoup la donne également. C'est vrai que ça me perturbe là. Bon, alors je sais pas combien il y a de crans de ralentisseur sur ce camion. Donc écoutez, on va demander la fiche technique à Turbo, je pense. Dans quelques instants, on va juste d'abord chercher notre remorque et le temps d'atteler, eh ben, on demandera à Turbo la fiche technique de ce camion comme il nous l'avait fait pour le DAF 2021. Alors s'il vous plaît, anticipez un petit peu quand même les gars, pilez pas net comme ça parce que c'est peut-être pas le meilleur métaux pour faire ça. Voilà. Hop. Ah, ça freine pas, oui. Par contre, là, par contre, ça freine vraiment pas. C'est pas forcément bien fait, mais ça n'a pas freiné, ça m'a perturbé. Non, moi je vais à droite. Oh, pardon, monsieur. Ah, il s'en bat les couilles, c'est bien. Il est quand même passé, il est bien. C'est gentil. Ok. Voilà. Et du coup, ouais, merci là pour vos réponses au sondage dans la dernière vidéo Euro Truck. Si vous êtes team clignotant gauche dans les ronds-points ou pas. Et c'est vrai, c'est trop marrant. Bah là, du coup, pour vous dire, notre formateur plateau, lui, il est team de pas mettre le clignotant gauche. Et pourtant notre formateur en circulation, il est team pour mettre le clignotant gauche. Bon, moi de toute façon je m'en bats les couilles, je le mets et je le mettrai toujours. Enfin, moi je reste de la team clignotant gauche parce que bah, mine de rien c'est vous-même la communauté qui me l'aviez appris. Et c'était ça, voilà, quand j'étais rentré dans le monde du transport il y a trois, enfin il y a 3 ans, 4 ans que j'ai commencé les vidéos sur Euro Truck et que j'y connaissais rien, c'est vous qui m'avez appris au fur et à mesure. Donc moi je suis toujours resté là-dessus et j'ai toujours gardé ce truc-là. Donc moi je garderai toujours les clignotants gauche. Mais voilà, c'est vraiment, il y a vraiment deux écoles, c'est juste excellent. Et je le remarque encore aujourd'hui, bah, sur la route, il y en a qui, il y a des camions qui mettent pas le clignotant gauche. Il y en a qui le mettent. C'est trop marrant quoi. Et ils nous ont expliqué aussi que par exemple en Allemagne, eux ils mettent pas du tout le clignotant gauche dans les ronds-points, même s'ils vont à gauche, apparemment. Donc mais ça c'est même pas que les camions, hein, c'est aussi les voitures. Donc bon, ça c'est encore un autre délire, mais moi vous savez, bref. Ok, on est arrivé dans notre Jastuc, notre lieu de voilà, la charrue élévateur, je crois que ça va être cela. Non, c'est même pas dit que ce soit cela. C'est sûrement les mêmes modèles, mais c'est pas eux. Doit être derrière le mien. Il est sûrement derrière. Il est là, tout à fait. C'est bon, je vais pouvoir du coup le récupérer. Vous allez voir, je sais pas où c'est que c'est, mais ça doit être à côté la livraison. Là, c'est vraiment juste un transvasement, j'ai envie de te dire. Regardez comme je suis super bien aligné, MDR. Oh, je suis mort. Alors là, ça va être compliqué parce que du coup, moi, j'ai pas mes repères avec ce camion. J'ai pas du tout mes repères. C'est pas grave, vaut mieux s'y reprendre plusieurs fois. Et faire ça bien. Voilà. Hop. Ce sera déjà bien mieux comme ça. Par contre, ça a du mal à freiner. Je sais pas si c'est le camion ou si c'est le mode neige. Mais c'est assez fou. Pourquoi j'arrive pas à prendre mes repères là? Ça fait longtemps que j'ai pas manœuvré en fait. C'est pas bon ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez,
Je vais me mettre là comme ça. Je suis pas bon selon moi, mais. Non, faut que j'aille plus à droite, ça c'est clair et net. Alors forcément, vous voyez pas trop à cause de ma caméra, je suis désolé. Voilà, là, ce sera pas trop mal, je pense. Putain, mais le bruit que ça fait, c'est aberrant. Voilà! Là, on va être pas trop mal. On va voir. Alors, pareil, hein, merci hein, pour les conseils. Oh putain, j'ai enfoncé le machin. Pour vos conseils sur Euro Truck, il y en a qui m'ont donné des astuces pour que ça se passe mieux, l'attelage, etc. Bon, moi, les gars, franchement, j'en ai rien à péter. J'ai pas envie de me perturber avec la vraie vie. Comme je vous l'ai dit, il y a une différence entre la vraie vie et le jeu. Et j'ai pas envie de faire des trucs contraires à ce qu'on ferait dans la vraie vie, juste pour que dans le jeu ça fonctionne. Franchement, j'ai rien à péter. Franchement, le jeu, la remorque, elle bouge dans tous les sens derrière. Je m'en fous, c'est pas grave. Moi, je sais que dans la vraie vie, je recule, boum, ça se fait en douceur, à merveille. Donc, c'est, j'ai envie de dire, le plus important. Donc, je vais pas inverser le principe des suspensions juste pour que dans le jeu, ce soit plus fluide. Hein, franchement, j'en ai un petit peu rien à péter. Alors, où c'est qu'on va livrer ça? À une demi-heure d'ici. Eh, très bien. Très bien, très bien. Mais où ça précisément? Où ça précisément? Ok, bah en fait, là où on a commencé la vidéo, quoi. C'est super! C'est super. Bon, on verra après où c'est qu'ils vont vouloir nous emmener. En tout cas, nous on est parti avec. C'est bien des chariots élévateurs. Hein. C'est ça, ouais, 11 tonnes de chariots élévateurs. Du coup, ouais, vous avez vu, il y a plein de changements depuis la dernière vidéo en termes de mode. Alors, j'essaierai de vous mettre les modes en description. Mais notamment, il y a celui-là, c'est Yara. Je sais plus ce que le nom du mode exactement, mais vous avez vu, ça change vraiment l'interface. Et c'est vraiment chouette, mais vous allez le voir tout de suite sur le Steam Workshop sans aucun problème. Vous allez sur le Steam Workshop, c'est un des premiers modes d'un coup qui apparaît. Donc vous inquiétez pas, vous le trouverez assez facilement. Et puis après, c'est les modes neige, donc Frosty Winter. Pareil, vous cherchez sur internet et vous trouvez sans problème. Donc clairement, à ce niveau-là, ne vous faites pas de soucis. Voilà. Allez, on est parti! Enfin, pour une belle petite livraison. Avec des routes. Bah quand même bien dégagé. Et on est sur du moins 5 degrés. Ça c'est bien fait en vrai hein. Le mode a changé aussi la température du. C'est propre hein. 7h du matin, moins 5 degrés. Ah j'étais assez curieux de voir ce qui allait se passer si genre le. Parce que souvent sur le jeu il fait quoi 25 degrés, des trucs comme ça tu vois. Et du coup j'étais assez curieux. Waouh, ça freine pas. Et le bruit de vache que ça fait. C'est un taureau le bordel. Allez. Ah oui, alors là, vous voyez, alors par contre, ça c'est trop marrant parce que du coup, moi j'ai pris l'habitude de rouler avec porteur-remorque. Oh, ça craint. Bon, c'est pas grave, je vais pas trop m'habituer au jeu, vaut mieux ce. Hein. Mais ça n'a rien à voir du coup, semi et porteur-remorque, c'est vrai que c'est différent. Oh putain, c'est chaud de ouf. Ouais, ça va. Bref. Ah, par contre, c'est pas malin ça. Voilà. On voit pas très bien avec leur parasol. Là, faut vraiment prendre beaucoup plus large en semi. C'est impressionnant. Je le savais dans le. Merde! Je le savais dans la pratique. Enfin, dans la théorie, mais pas dans la pratique. Et pourquoi il s'arrête l'autre devant? Putain, ça freine pas. J'écrase ma pédale, ça freine pas. C'est énorme. Déjà que je vois pas mon rétro. Vous savez ce que je vais faire? Je vais me permettre de mettre le rétro virtuel. Bon, du coup, vous le voyez pas forcément. Il est tout petit. Mais ce sera déjà ça. Ça me permettra de un petit peu mieux voir quand même sans tourner la tête. Parce que là, c'est. C'est une galère. C'est une galère. Et là. Oh putain. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils sont en train de s'accoupler en face. C'est impressionnant. Vous allez voir, il va me passer devant lui. Non? C'est bien. Allez! Taxi. On sort ici. Allez, ça dégage la racaille. Direction Kamez. Bon, bref, on va y arriver. C'est très joli tout ce blanc, toute cette neige, mais putain, c'est la maniabilité, elle est vraiment différente, comme dit là, c'est très bizarre. Plus le fait que je me retrouve en semi, que ça fait longtemps que j'ai pas joué à Euro Truck et que moi j'ai l'habitude du porteur remorque, c'est vraiment impressionnant. Non, c'est là que je vais moi. Ah, je me retrouve pas là. Voilà. Ok, allez, on va y arriver sans problème.
On va y arriver sans problème. Mais c'est vrai, Tirana, c'est. Je sais pas. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Je cherchais à comprendre ce qui me faisait kiffer. Vas-y, prends un peu plus ton temps la prochaine fois. Je sais plus. Enfin, c'est tout le truc qui me fait kiffer. Les montagnes, la vie qu'il y a. Bah là, la vie qu'on va avoir là. On va avoir le virage à gauche. Et bah là où on a commencé la vidéo. Et toute cette zone là, on a une vie. Enfin, j'aime trop la vie qu'il y a en fait. C'est pour ça que j'aime bien Tirana. Tyrann, Tyranna. Commencez pas à refaire le débat, les gars. Cherchez sur internet par vous-même avant de faire les. Mais putain. Mais c'est une priorité à droite ou quoi? On voit même pas les marquages, on sait rien. Si, c'est une priorité à droite, c'est sûr. Souris! Souris, notre souris! Et voilà, et là, on arrive genre dans le centre-ville un peu et il y a de la vie de ouf. Donc là, toujours prendre l'habitude de mettre le clignotant gauche pour dépasser les voitures mal stationnées. Hop, voilà, ça, il faut que je garde aussi ces petites habitudes que j'ai tendance à perdre sur Eurotruck. Évidemment. Kamez! Alors, on sait pas pourquoi, mais le camion devant nous s'est mis sur la voie de gauche. C'est la magie de Noël, certainement. Oh là 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 là. Bon, bah, ça, c'est bien. Merci à vous, ça me permet de passer sans problème. Je vous remercie, hein. Voilà. Et l'autre, il me passe à la gueule sans problème. Ok. N'hésite pas à rester chez ta mère quand même, hein. Bon, interdiction de doubler par la droite, mais à un moment donné, faut pas se foutre de ma gueule non plus, hein. Ah, c'est une zone 30! Ah, pardon, bah là, c'est de ma faute. Ah, bah là, c'est totalement de ma faute. Je suis désolé. Eh bah, c'est pas grave, je te passe devant, ça tombe bien. Impeccable. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, les amis. J'espère que mes petites nouvelles vous font plaisir. Et puis, j'espère que vous, de votre côté, tout se passe bien. C'est ici que je dois rentrer. Ah, ouais, mais là, frère, ça ne freine pas. C'est impressionnant. Bon, au moins, là, je suis bien. Là, franchement, je me fais aucun souci. Voilà. Et. C'est ici que j'étais censé livrer. Voilà. Alors c'est pas grave, hein. Alors ça, ce que j'aime bien aussi sur le jeu, c'est que la remorque ne part pas. Ah si, elle part un peu, mais c'est vraiment très léger, hein. Hop. Voilà. Votre Big Mac là avec vos chariots élévateurs. Ça, c'est fait, messieurs, dames. Une bonne chose faite. Oh, ça me fait vraiment chier, les amis. C'est vraiment pas nice. Mais je me suis cassé la tête pour trouver une bonne livraison. Et c'est impossible. Je trouve pas de bonne livraison. Et là, j'ai vraiment mes obligations. J'ai pas le choix de faire la livraison qu'on m'a demandé. Donc, je suis donc dans le même entrepôt, dans la même entreprise là. Et là, ils m'ont dit que je devais récupérer des palettes vides. Voilà, tout simplement. Pour aller où? En Italie. Donc absolument plus rien à voir avec les West Balkans pour le coup. Donc là, je vais aller devoir juste récupérer la remorque qui est derrière. Donc là, ils se sont occupés du coup de ce qu'on a ramené, hein, les transports. Enfin, c'était quoi qu'on a livré, je sais plus, c'était juste là. Bref, donc là, on va récupérer, voilà, la semi de palettes vides. C'est super. On va aller en Italie. Alors attention, faut pas s'étonner qu'en Italie, il y a de la neige. Je sais pas d'ailleurs, est-ce qu'en dans la vraie vie, il y a de la neige en Italie? Je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, il va y avoir de la neige en Italie. Voilà, il faut pas être étonné. Après, si ça existe dans la vraie vie, bon, après, moi, je m'y connais pas trop géographiquement parlant. Voilà. Je fais semblant d'être un petit peu connaisseur souvent, hein. Là, je suis évidemment pas aligné. On va vraiment se marrer à l'examen, je le sens, hein. Je le sens qu'à l'examen, ça va être très rigolo ce qui va se passer. Si je prends des mauvaises habitudes, ça va être très chiant. Voilà. Hop. Là, je suis pas trop mal. Là, je suis pas trop mal. Donc là, qu'est-ce que je fais? Je mets le frein de parc. Hop. Je coupe le moteur en réalité. Véhicule immobilisé, frein de parc serré, les compatibilités nan. Et en même temps, j'en profite pour voir, mais je suis quand même relativement bien aligné, visiblement. On dirait que je suis pas droit. Trop bizarre. Je suis pas droit, hein. Bref, allez, je recule. Ah oui, j'étais pas droit en fait. Voilà. Et là, mon garde-boue, il est en dessous. Là, je lève la suspension. Je recule.
J'ai même pas vérifié si j'étais bien aligné, je me fais confiance. Eh! Pas mal! Pas mal! C'est Eurotruck quoi. Bon allez, ça c'est fait. Donc ouais, c'est parti pour livrer en Italie. Hein. Ouais, c'est un petit plaisir. Donc là évidemment on va prendre le ferry. Mais voilà, c'est comme ça. Je suis désolé, en vrai, je voulais commencer avec, pour cette vidéo, vu que c'est un peu en mode Noël, je voulais vraiment faire un truc genre livraison de Noël, trop stylé, nanani nanana. Mais faut pas croire, c'est pas facile. C'est pas facile à... Vous avez rien vu hein, dans le rétroviseur, j'espère. Moi, je l'ai vu en tout cas. Je l'ai bien vu, je vous rassure. Mais voilà, je voulais vraiment faire un truc tout sympa et pas moyen. Et du coup, bah, j'en profitais avec les contrats externes. Je me suis dit comme ça, je vais terminer l'événement World of Truck. Mais que nenni, voilà, que nenni. Que nenni, voilà. Hop, je sais pas vous d'ailleurs, mais je galère à terminer l'événement World of Truck. Road to the Black Sea, c'est vraiment pas facile. Donc là, il faut se placer intelligemment. Mais en même temps, est-ce que derrière, ça va passer? C'est ça la vraie question. Bon, là déjà, ce qui est cool, c'est que je bloque à gauche. C'est une stratégie. C'est une stratégie que j'ai élaborée. Et là, je peux y aller. Ouais, ça passe sans aucun problème. Parfait. Faut garder cette logique. Ne jamais se mettre dans la merde et toujours se trouver des solutions avant de créer les problèmes. Voilà, allez, c'est parti. Direction l'Italie. Ça va également nous permettre de nous ouvrir des portes hein, pour les prochaines livraisons, ça c'est clair, hein, on pourra toujours revenir vers la France, etc. C'est toujours sympa, mais voilà. Moi j'aurais plutôt préféré aller vers l'Est encore, mais bon. Malheureusement. Voilà. Bon. Balkan Trans. Ça klaxonne, je sais pas si vous entendez. Je sais pas si vous avez entendu, quelqu'un qui klaxonne de manière très bizarre. Hop. Voilà. Moi ce qui me fait peur c'est que je vais me réhabituer au semi et du coup après je vais plus savoir faire le porteur remorque dans la vraie vie. Et ça peut être très, très vite dérangeant. Bon allez, on double tout le monde par la droite parce que manifestement ils sont tous cons. Ah non, c'est parce qu'il est en train de balayer, il est en train de nettoyer. Ok, c'est bien fait. Franchement c'est vraiment bien fait. C'est la saleuse. Hop là. Voilà. Il est quelle heure? 8h, donc je peux éteindre mes feux de croisement. Hein, on va pas se prendre une amende. Alors. Messieurs. Ça c'est très gênant. Ouais, on a eu chaud au kiki là. On a eu chaud au kiki. Et ce bruit de veau, j'en peux plus. Hein. Vivement, vivement que Turbo nous envoie le mode son pour ce man. D'ailleurs, Turbo, je suis pas sûr, mais le temps qu'on soit dans les bouchons, je pense que c'est ton moment pour nous faire la fiche technique du coup de ce man TGX. Nous écoutons Turbo et merci à toi pour ton expertise. Eh bien salut à tous et merci à Mkolo d'avoir fait encore une fois de plus appel à moi pour présenter ce camion. Donc là on est sur un man TGX 460. Donc on va parler de la cabine. Donc là il est équipé de la cabine XLX, donc c'est la cabine intermédiaire de chez MAN. Après, au niveau du moteur, on est sur un moteur D2676. Donc, il y a un moteur qui fait 12,4 litres de cylindrée et qui sort 460 chevaux pour celui-là. Donc, d'où sa domination TGX 18.460. On est sur une boîte MAN Tipmatic 12 rapports avec ralentisseur. Et puis voilà. Puis sinon, bah, on va passer à l'intérieur pour vous montrer le ralentisseur. Parce que là, on est sur un véhicule qui a un ralentisseur à 3 crans. Donc il se situe juste là, et là, 1, 2 et 3, voilà, tout simplement. Donc voilà, bah, je pense qu'on est pas mal pour la présentation de ce petit camion. Et je vais relaisser la parole à Mkolo. A bientôt les amis. Putain mais... Oh là là, on a eu chaud. On a encore eu chaud, bon j'ai du mal à avancer hein. On a du mal à avancer, j'ai failli me faire rentrer dedans. Compliqué, compliqué. Là, j'avais la flemme de faire un constat. Attention au porte-à-faux gauche. Allez. Merci, Turbo, pour toutes ces précisions qui, j'imagine, nous seront
eh bien, qualitative, comme à ton habitude. On arrive enfin à partir de Tirana, les amis. Ça fait plaisir, on peut enfin prendre l'autoroute direction l'Italie. J'espère qu'on va pas avoir de pépins sur la route. C'est limité 80. Hop, régulateur. Ok, ça c'est fait. Bon, on peut admirer du coup ce paysage. Mais donc voilà, en tout cas pour ce camion, n'hésitez pas à dire en commentaire ce que vous en pensez, si vous aimez bien ce camion, si vous trouvez que c'est un bon choix ou pas. Comme dit, je pouvais pas prendre ceux qui sont supérieurs, les nouveaux, etc. étant donné que je n'ai pas encore le niveau. Mais voilà, je trouvais ça cool parce que de toute façon, ce camion, je le voulais, étant donné qu'on peut vraiment faire beaucoup de belles personnalisations, beaucoup de belles customisations sur ce camion-là. Interdiction de doubler par la droite. Allez, hop là, hein, ça c'est fait. Tant pis, j'aurais essayé de ralentir, malheureusement. Trop tard. Mais c'est tellement con ces portions limitées à 50 pendant 10 mètres. Je veux dire, on a compris, voilà, dans la vraie vie, il y a des portions qui sont limitées, mais c'est pas non plus 10 mètres, quoi. Ça, c'est chiant, quoi. Le problème de Eurotruck, je trouve, c'est que comme les maps sont à échelle très réduite, bah forcément, c'est pas comme dans la vraie vie où t'as vraiment le temps d'adapter ta conduite, etc. C'est vraiment chiant, quoi. Ça, c'est vraiment chiant. Eurotruck, c'est cool, mais sur certains points, il y a des trucs qui me font chier. Tu vois, là c'est limité 60. Bon, là j'ai eu le temps de le voir, surtout parce que ça bouchonne devant. On va savoir pourquoi. Ouais, à cause de la police sur le côté, bien évidemment. Ils ont tous peur de la police. Policia. Alors tu vois. Oh, je viens de faire une erreur. Je viens de faire une erreur. Je savais pas qu'il fallait que je tourne à droite. J'ai trop le seum. Alors je vais me mettre derrière le camion. Ah, sympa ça. Sympa ça. Bon bah là de toute façon je suis cuit, hein. Là c'est trop tard. J'ai pas le droit de faire ça, mais toi t'es un... Je t'arrache ton avant, toi, j'ai rien à péter. Oh là là, je fais des bêtises. Vivement que je puisse retrouver la vraie vie là. C'est vrai que ça commence à me gonfler Eurotruck, là. Je vais pas vous mentir, ça commence à me péter sur le système. Hein. Béoué, comme dirait le camion devant nous. Béoué. Ben ouais. Petit camion tout mignon. Allez, ça dégage la racaille. On va pouvoir c'est une sorte de douane. Bah c'est pour le ferry. C'est parti pour le ferry. Il y a une photo à faire d'ailleurs. Il y a une photo à faire. Hop, contrôle de sécurité. On m'a fouillé les poches. C'est parti, ça régale. Et là faut que j'aille à gauche maintenant là. Ah ouais. Bon, c'est bien. Moi j'ai pris large mais sans faire exprès, parce que ça faisait pas partie de mon projet. Ok. Ok, j'ai vu qu'il y avait une photo à faire aussi, je crois. Là. Hop, voilà. Comme ça, l'achievement, c'est fait. On va pouvoir prendre le ferry, je suis trop con. Putain, blanc sur blanc, j'avais pas vu. Donc, il n'y a plus que je me trompe encore. Mais je ne pense pas. Allez, c'est parti. Emballage en plastique. C'est pas des palettes vides, je me suis trompé, c'est pas grave, on s'en fout. Oh, il fait nuit. Barry, découverte. Allez, c'est parti. Bah, du coup, on allume les lumières. Avant de me faire péter le cul encore. Hop. Ah bah tiens, la barrière s'ouvre toute seule. C'est marrant ça. Des fois ça s'ouvre tout seul, des fois ça s'ouvre pas tout seul. Tu sais pas, c'est formidable. Bon, on sort par où? Par là, excusez-moi, je vous éblouis. Mais c'est mal éclairé votre truc aussi là. Complètement con. Attention, je vais être grognon. Ah, je vous l'ai dit, je vais être grognon. Voilà. Salut collègue. Bon courage, fais gaffe, il y a des barrières qu'on voit pas. Mais c'est vrai, j'ai l'impression dans ce camion tout est éclairé différemment, c'est trop bizarre. Alors ça n'a aucun sens parce que ça n'a aucun rapport. Mais ah, c'est marrant.
Hop, il y a une barrière. Il y a une barrière, voilà, là c'est pareil, j'aurais pu me faire avoir. Salut les collègues. Ça va? Pas trop froid? Bras nus sous la neige? Moins 7 degrés les gars, ils sont courageux quand même, hein. Ils sont courageux. Allez, direction Huskita. Je pense que ça veut dire sortie, tout simplement. Y a moyen. Et on a une cinématique a priori. On a une cinématique. Allez, on va la regarder. Ça, c'est cadeau, c'est Bibi qui régale. On est là pour se faire plaisir, bien évidemment. Je suis dessus là, je crois. Tout à fait. On coupe le contact et on lance la cinématique, messieurs, dames. Regardez comment c'est beau. Le port de Barry, bien évidemment. Barry, on l'embrasse, on lui fait des gros big up, des gros poutous, bien évidemment. Donc avec ses très jolis lampadaires. Voilà, donc voilà. Alors, nous avons donc notre camion. Voilà, il est beau, hein. Voilà, je peux pas klaxonner malheureusement. Nous avons donc des lampadaires, encore une fois, comme vous pouvez le voir. Donc il y en a de tout type, hein. Vraiment, il y a des lampadaires duo, il y a des lampadaires quatuor. Et là, vous pouvez donc constater eh bien, de l'eau, mais qu'on ne voit pas forcément bien, puisqu'il fait nuit, bien évidemment. Voilà, puisque c'est une longue journée, bien évidemment. Nous avons donc là un rond-point, plus communément appelé giratoire, hein, un rond-point plutôt un carrefour à sens giratoire, hein, ce qui signifie donc priorité à celui qui est dans le carrefour, bien évidemment, avec une voiture jaune ici qui est en train de faire l'essence ou de se peser, ou les deux en même temps, enfin c'est bizarre. On dirait que c'est électrique, enfin, ça n'a aucun sens. Notre camion de nouveau, qui est toujours là, qui est beau, voilà, avec les petites veilleuses d'allumer, hein, évidemment, c'est important, voilà. Tout simplement, donc c'était donc le port de Barry, bien évidemment. Voilà, allez, ça c'est fait. On s'arrache et merci à tous. Et n'empêche, les cinématiques, c'est pas la même qualité, vous avez vu? Ça se voit que c'est ancien par rapport au West Balkan. Vous voyez les cinématiques des West Balkans? C'est des vrais points d'intérêt pour le coup. Là, j'avoue, ça avait pas grand intérêt en vrai de vrai, hein. En vrai, de vrai, de vrai, il y a la police. J'avais envie de griller le feu, mais j'ai bien fait de pas le faire parce que sinon la police, elle aurait pas été contente. Hein. Elle aurait pas été contente. Hein. Oh, comme c'est bien. Par contre, nous en circulation, on roulait avec un Renault, donc automatique, avec frein à main électrique. C'est trop bien ça. J'ai pas confiance en ce truc, mais c'est trop bien. Genre, quand t'accélères, ça enlève le frein à main tout seul. Enfin, le frein de parc. Je trouve ça trop cool. Voilà. C'est-à-dire que là, bah, j'accélère, mais je peux pas parce que le frein de parc est enclenché. Voilà, c'est dommage ça. Ça, c'est bien quand il s'enlève tout seul. Voilà, je trouve ça trop cool. Vous voyez le feu vert? Eh ben, vous le voyez plus parce qu'on vient de le passer. Non! Ça régale. Vous voyez le feu rouge? Il est beau, hein? Et eh ben maintenant il passe au vert. Voilà. Si j'avais eu un petit peu plus de confiance, j'aurais même pas freiné. Allez, direction Modugno. Taranto. Et non pas Toretto, bien évidemment. Voilà. Vous voyez le feu vert? Très bien. Voilà, je ne voyais plus la route. C'est très très beau la neige. Disons-le, hein. Mais c'est pas la même conduite, hein. Oh bah ça va. Oh bah ça va. C'est assez réactif quand même. Regardez les belles petites décorations de Noël. Oh regardez. Un petit bonhomme de neige. Voilà, bon je suis arrivé, chef. Quelle journée de merde. Il nous est arrivé que des couilles. Je sais pas combien d'accidents j'ai, mais je dois en avoir pas mal, hein. Je suis désolé, Fox. Bon, puis je suis censé mettre ça où, moi? Là-bas. Je vois les cônes. Ils sont sympas, ils m'ont placé les cônes quand même. Comme il fait nuit, qu'il n'y a plus personne, que personne bosse, y a que les connards comme nous qui bossons. Allez, à contre-main. Ah là, on va bien rigoler. C'est bien, j'ai absolument aucun espace en plus pour pouvoir manœuvrer correctement.
puisque je m'y suis pris comme une bite. Mais regardez, en fait, je suis peut-être pas si mauvais que ça. Et ouais, les gars, c'était pour vous troller, je voulais vous montrer que j'avais du talent. Un petit peu quand même. Hop, 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 hop. Bon, de toute façon, je roule sur les cônes, mais ça, c'est normal, hein. Une mise à quai, les gars. Dommage, j'étais un petit peu précoce. Mais je peux quand même faire ça. Ouais, ça me permet toujours de mieux voir. Il n'y a pas de risque pour la smid à côté. Donc, en vrai, je vais me permettre de faire ça et de me rattraper juste après. Et là, normalement, en pleine journée, il y aurait les agents de quai qui diront « Arrête, 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 arrête !» Mais c'est bon, calme-toi. C'est pour ça que je vais travailler la nuit. Bon, moi, je suis tranquille. Voilà. Bon. L'autre semi à côté, normalement, elle me dérangera pas non plus. Parce que de toute façon, je vais me retrouver au même point que tout à l'heure. Attends, là, je vois rien. Ah, si, c'est bon. Aucun problème pour elle. Voilà, bon, c'est un petit peu gênant cette manœuvre. Mais le plus important, c'est pas la réussite, c'est la quête. C'est ça, hein. Regardez. Hop. Là, je m'arrête maintenant pour éviter de rentrer dans le truc, pour être sûr, tu vois. Parce que je suis quand même consciencieux. Voilà, et hop. Voilà. Ça régale. Ah, non, je suis pas droit. Pardon, en fait, dans ma tête, j'étais droit, mais pas du tout. Voilà, j'ai eu une illusion d'optique. Voilà. Et là, j'enfonce le quai directement. Direct. Et voilà le travail. Allez. Merci à tous. Joyeux Noël. Et à l'année prochaine. Salut.